Le premier, le plus marquant, ce serait avec les troisièmes. Quand on a préparé le forum des métiers, ils étaient vraiment très impliqués et ils s'intéressaient vraiment à ce qu'ils voulaient faire après. Du coup, moi, ça m'a marqué puisque je suis en études supérieures comme ils vont l'être bientôt. Ensuite, c'est avec les quatrièmes du collège Marot. Lorsqu'on a fait la photo avec le journaliste dans le hall. Donc ils étaient contents de faire la photo de groupe et c'est vrai qu'il y a eu un moment de joie tous ensemble. Avec les quatrièmes de la maîtrise, on a eu un très bon moment aussi, c'est pendant les maquettes, quand on a créé les maquettes avec FAS. Le premier, ce serait visite, parce que toutes les visites que j'ai pu faire avec les élèves, vraiment ça m'a enrichi et j'ai pu voir aussi que les élèves étaient très intéressés par toutes les entreprises et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec eux plus personnellement pour savoir si ça les intéressait vraiment tous les métiers qu'ils ont vus. Ensuite il y a le site internet, donc parce que j'ai créé un site internet avec Tiffaine et Hélène qui reprend tous les projets qu'on a fait avec les élèves et tout le parcours. Et le dernier mot ce serait énergie, parce que je me suis rendu compte que les élèves ont beaucoup d'énergie et du coup c'est vrai que j'avais pas l'habitude de travailler avec des jeunes comme ça, donc du coup ça m'a plu aussi de voir des élèves autant impliqués et autant énergiques. Plus d'activités manuelles, ce serait un plus pour eux puisque j'ai vu qu'ils étaient vraiment très impliqués et qu'ils ont adoré faire cet atelier. Découvrir plus de métiers, par exemple les métiers du futur, donc le digital ou faire des vidéos, etc. Également l'art, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs élèves qui aimaient beaucoup l'art, le dessin, la chanson, etc. Et du coup peut-être découvrir plus ce secteur aussi. Thank you.